Communément appelée la fête de la Tabaski ou la fête du sacrifice, l'Aïd Kelbi a été célébrée le 28 juin dernier par toute la communauté musulmane du monde. Ici au Cameroun, dans le département du Mongo, région du littoral, hommes, femmes et enfants, drapés dans leurs plus beaux gandoura et pagnes, ont imploré la miséricorde d'Allah, la grande mosquée de Kansamba. Ils ont saisi l'occasion de cette fête qui leur rappelle la soumission d'Abraham à Dieu lorsque celui-ci lui avait demandé de sacrifier son fils Ismaël pour demander à Dieu de toujours inspirer leurs actes. Paix, unité et partage, tels sont les messages qui ont été véhiculés. Durant cette grande célébration, l'imam a recommandé aux fidèles de toujours tout remettre dans la prière. Il a appelé les fidèles musulmans à rester unis et à prôner le partage. La fête de la Tabaski, je pense qu'elle est simple, tout le monde la connaît. C'est la symbolique et le partage entre toute la communauté. Et tout le monde sait que l'origine de la fête est que Dieu avait demandé au prophète d'immoler son fils. Ici, la symbolique, c'est le partage et l'humilité. Il faut dire que cette fête du sacrifice dans le département du Mongo a été l'occasion de démontrer à la face du monde que la communauté musulmane et chrétienne vivent dans la paix et la cohésion sociale. Le message que nous voulons faire passer, c'est un message qui a été dit par notre grand imam, à savoir Sa Majesté Mahmoud Yusuf Nasser, qui a prié pour nous, qui a prié pour le Cameroun, qui a prié pour la paix, qui a prié pour les autorités gouvernementales en leur demandant à Dieu de maintenir notre pays, le Cameroun, dans cette quiétude et dans cette paix perpétuelle. À l'issue de l'office qui s'est tenu tôt à la grande mosquée de Kansamba, un sacrificateur a égorgé un bélier. Et selon la tradition musulmane, la viande de l'animal immolé a été partagée en trois, un tiers pour la famille, un tiers pour les amis et voisins et le dernier pour les pauvres.